Nathalie Lézin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Jeunesse, Tiféfé et la conque de Lamby, avec des illustrations de Orson Buck. Alors, pouvez-vous nous présenter cet ouvrage, s'il vous plaît? Alors, le livre Tiféfé et la conque de Lamby est un conte à tiroir. Il y a plusieurs histoires dans les histoires. C'est comme une poupée russe. Quand vous ouvrez une poupée, vous en trouvez une autre à l'intérieur. Alors, d'abord, pour présenter, l'illustrateur est M. Orson Buck, qui est aussi peintre, sculpteur, qui travaille sur le recyclage en général. Et moi, je suis l'auteur, Nathalie Lézin, et je suis surtout musicienne, percussionniste, chanteuse, conteuse, et passionnée de contes classiques et aussi d'écriture de contes. Alors, pour présenter Tiféfé, on va partir sur l'île en forme de papillon. Alors, Tiféfé est un petit garçon qui n'est pas plus malin, ni plus sage, ni plus beau qu'un autre, mais il a perdu sa maman quand il était tout petit, dans des circonstances assez mystérieuses. Donc ce petit garçon a développé une sensibilité, une curiosité. Et quand il va entendre parler par les rumeurs de la disparition de l'arbre, le fromager magique, il va se sentir l'âme de chevalier, il va partir en quête de cet arbre. Il va tomber sur un énorme coquillage qu'on appelle la conque. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une conque, c'est un coquillage assez grand qui peut servir de trompe qui annonce l'arrivée des pêcheurs, qui peut servir aussi d'annonceur d'autres événements de la vie, qui est aussi un instrument de musique pour les musiciens avertis, car il n'est pas facile de souffler dedans. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut coller à son oreille pour entendre le vent et la mer. Et Tiféfé, comme n'importe quel enfant de son âge, va coller la conque à son oreille et là il va entendre, alors je vous laisse le découvrir, il faut le lire. Alors, que renferme la conque? Quel secret renferme la conque? C'est à vous de le voir. Et aussi, est-ce qu'il y a un lien entre la disparition de la maman de Tiféfé et la disparition de cet arbre nommé fromage et magique? C'est aussi à vous de le découvrir. Alors, dans cette histoire, j'ai voulu nous jeter, les lecteurs et moi, dans l'âme même de la Guadeloupe. L'île Papillon, c'est la Guadeloupe. L'île de mon enfance, c'est aussi l'île de mes origines. Alors, nous sommes jetés dans la culture, les traditions orales, avec le conte, y écrit qui écraque, avec aussi les devinettes, Tim Tim Bois Sec, avec tous les rituels qui existent sur l'île. On a aussi les zones géographiques importantes telles que le volcan de la Soufrière, les grands fonds. Nous avons aussi, il y en a beaucoup, hein, mais pour en citer une autre, Touamant en coco, qui est un endroit particulier. Et aussi les rythmes, la tradition musicale, le gros cas qui est représenté sous forme de personnages et rythmes sous forme de génie. Et puis évidemment, si on parle du fromager magique, c'est qu'il y a une portée mystique. C'est un arbre particulier qui représente une porte ouverte sur le monde des esprits, en Afrique et en Amérique du Sud. Donc le fromager nous apporte tout le côté qui fait peur, les soucougnants, les volants et aussi les diablesses. Donc je vous laisse découvrir le livre Tiféfé et sa conque.